Ce qui différencie notre gel intime en 3 points, c'est d'abord le côté très hydratant avec l'acide hyaluronique, l'aloe vera qui vont vraiment apaiser, hydrater, et surtout l'extrait de muguet bleu qui a été objectivé par une étude clinique sur la densité d'innervation de la zone et donc la relance de la lubrification naturelle. Le deuxième point, c'est vraiment le côté équilibrant. On sait très bien que ce qui pose beaucoup de gêne au niveau intime, c'est les changements de pH liés aux variations hormonales. Donc on va être sur un pH physiologique, plutôt acide, donc proche de la flore intime, avec un complexe de pré- et post-biotiques qui vont venir renforcer cette flore au moins de désagréments. Et le troisième point très important, c'est sa texture. On a travaillé sur une texture extrêmement dense, vous allez voir, voilà, qui coule très peu, qui est finalement très proche des sécrétions naturelles, c'est-à-dire dense et non coulante, qui va faire que ça va convenir aussi bien aux femmes qui ont des sécheresses intimes installées en adhérant aux zones sèches qu'aux femmes qui n'ont pas de sécheresse intime parce que ça ne coulera pas dans la culotte.